pas se mentir, on reste très compétitif, on est venu pour, je pense, faire le titre. Et même au-delà de ça, moi je suis archi fier des gars, quoi. Ils tiennent le coup, ils nous font confiance, tu vois, même si ça reste de l'an de l'an. Faut pas se mentir, ça reste quand même des petits qui nous font confiance. Ils pourraient très bien dire, ouais, je m'en tape de l'équipe et puis basta, je viens pas, je fais mes trucs de mon côté, tu vois, parce que... Donc ouais, moi je leur dis merci, ça fait plaisir qu'ils croient en l'équipe, qu'ils croient en Nico, en moi, tu vois. Et ouais, merci, quoi, merci aux gars, quoi. Competition picking heads, say that's worth the cardi. They used to sleep on us, tell them get down with OPP. This nation naughty, now I'm cutting heads, so DB. Alors, la compétition, je la sens plutôt bien. Déjà, on arrive en avance. Donc, je pense que déjà, ça c'est un petit plus pour le jour J, dans le sens où il n'y a pas de décalage. Dans le corps et je pense que dans la tête c'est un peu mieux d'arriver avant, dans le sens où ils vont déjà se focaliser tout doucement sur la compète et pas stresser dans la voiture et se dire putain je vais être ankylosé, les jambes ankylosées, les muscles un peu engourdis. Donc je pense que ça va le faire. Après ils sont motivés, ils ont l'habitude, donc je pense que de toute façon ils savent, on vient pas là pour rien, donc si on fait ses efforts, c'est qu'il faut qu'il le fasse derrière. Donc, je pense que c'est bon. Il n'y a pas de souci à se faire. Ouais, ça, en fait, ouais, on n'est pas souvent ensemble. On l'a été toute une période parce que justement, les aléas de la vie ont fait qu'à cette période, on pouvait le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tous. Ils ont tous grandi de toute façon. Donc, maintenant, il faut travailler. Puis, on a des gars qui sont en Bretagne, des gars dans le sud. Bref, on a des gars partout. Donc, c'est vrai que c'est dur de se retrouver. Mais ouais, c'est un kiff total de se retrouver ensemble et l'union fait la force, comme on dit. Donc, ouais, ça fait du bien. On essaye de donner vraiment les bonnes bases aux gars pour que le travail soit facile par la suite. Ouais, donc, j'ai galéré, j'ai eu du mal à avancer dans le street. Donc, aujourd'hui, je sais par où il faut passer pour ne pas galérer. Donc, je leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils y arrivent sans blessure et le plus facilement possible. Bah, écoute, j'avais aucune pression. J'étais vraiment détendu, car honnêtement, je m'attendais à rien d'exceptionnel. Sachant que j'ai pas pu avoir une préparation comme j'aurais voulu suite à une petite blessure qui traîne. Du coup, ouais, je me suis dit que j'allais faire la compétition et qu'il adviendra ce qui allait advenir, quoi. Tout simplement.
Bah, j'étais pas, en vrai, pas dans les meilleures conditions, parce que je venais de reprendre la fac, tout ça. Je venais de changer d'appart, donc il y avait plein de petits stress que j'avais pas pendant ma prépa, donc ça m'a un peu perturbé. Et puis, surtout la fac, quoi. Ce qui m'énerve, c'est qu'on nous aide pas, donc voilà, ça, j'étais perturbé à ce niveau-là, mais sinon, je savais que j'avais fait mon travail, donc c'était nickel. Après le jour de la compète, bah, j'ai bien dormi. Ouais, j'ai bien dormi. Il y avait une bonne ambiance. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les autres sont passés avant moi. Donc, avec Rémi, on était tranquille. On passait l'après-midi. Donc, ce que le matin, j'aime pas. Moi, j'ai pris l'ambiance. C'était bien. Puis c'était cool. J'ai pu tester le matos et tout. Et puis voilà. Voilà. Rien à rajouter. Exceptionnel, j'ai rencontré des gens que je voyais que sur les réseaux. Je me rends même pas compte en fait que j'ai rencontré tous les gens qui me motivent à faire du sport, tu vois. Et c'était vraiment un truc de fou, genre je me rends toujours pas compte en fait de ce qui s'est passé. Ça motive énormément à les rattraper en fait. C'est pas comme si je me faisais battre par des gens comme ça qui me battent à une ou deux reps près, tu vois. Les gens ils font vraiment bon et ça inspire vraiment à les rattraper, tu vois. Et quand tu vois des grosses têtes comme ça, tu vois, sur les réseaux, tu te dis, ouais, il est trop fort et tout, et au final, tu te retrouves contre lui. C'est vraiment incroyable, tu vois. Et quand tu vois surtout que par exemple, Flo, il a battu des gens que j'aurais jamais pensé qu'il battrait, tu vois. Et je le disais à tout le monde parce que je l'ai un peu aidé, je l'ai un peu aiguillé quand il s'est préparé cet été, tu vois. Et moi, il a fait de même parce qu'il a plus de connaissances que moi en street lifting. Il m'aidait sur ma prépa et moi, je l'aidais. On faisait que de parler tout le temps et tout ça. Et vraiment, il s'est buté, moi aussi. Et vraiment, c'était incroyable les performances qu'il a fait, quoi. À chaque passage avant de passer, je me disais, regardez les gars, il va faire des dingueries et tout. Je vous dis, les gars, il est trop fort. 30 tracks sur le sol, mais non, c'est trop facile. On fait plus à l'entraînement et tout. Et voilà, ça paye parce qu'on a corrigé tous ses points faibles, en fait. On a vraiment fait attention à ce qu'il ait aucun point faible, qu'il se fasse pas rattraper en pompe, qu'il se fasse pas rattraper sur aucun mouvement, en fait, tu vois. Et voilà, il a donné tout et encore plus, et c'est ce qu'il fallait faire. Et vraiment, la compétition, pour revenir à la compétition globale, c'était vraiment trop trop bien, genre l'ambiance, comme j'ai dit, tout le monde était dedans en fait, c'était vraiment incroyable. Et du coup, bah, c'était un truc de ouf.
Depuis le début, on est là, on n'a pas lâché. Et comme on disait, on ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà, depuis le début, on est là. Ça fait des années, ça fait maintenant, je pense, 4 ans ou 5 ans que la SWAT a commencé. Et c'était un beau parcours. Avec mon ami Vaki. Vas-y, lâche. Lâche, les gars. Regardez au milieu. Faut regarder le vas-y, point. Regardez au centre.
de rester concentré sur eux-mêmes, de s'inspirer des autres, mais de d'abord s'écouter, de jamais lâcher le steak. Peu importe les critiques, ce que les autres pensent, ce qu'on fait, on le fait pour soi, on le fait pas pour les autres. Donc voilà. Faut aller le plus loin, si tu crois en toi, tu y vas et puis c'est tout. Ne pas se laisser freiner, parce que c'est trop facile, tu sais. Les autres, les gens aiment bien critiquer, mais eux ne font pas. Donc personnellement, aller le plus loin possible et n'écouter personne. Voilà. Pour moi, ce serait ça. Darbaï. Ouais, franchement, c'était une bonne expérience. Mis à part la compétition, j'ai pu connaître certaines personnes. Et franchement, c'était un plaisir d'échanger des moments avec ces gens-là. Comme il me dirait, je pense aussi, parce que comme je te dis, ils me le rendent bien, c'est merci. Merci à eux pour tout ce qu'ils me donnent, pour tout ce parce qu'ils m'apprennent aussi beaucoup. Voilà, la vie, on a tous vécu des choses différentes. Et comme je leur dis, j'apprends beaucoup d'eux aussi. Et grâce à eux, j'avance. J'avance aussi. Il y a des choses que des personnes ont vécues à la SWAT et qui me bouleversent et qui me font grandir aussi. Voilà, c'est merci à tous et voilà, on continue le combat, quoi. On continue. Top. Après, moi, je trouve que c'est beau parce qu'ils ont tous un caractère différent, tu vois. Et c'est ça que je trouve ça beau dans cette équipe, c'est que, t'as vu, là, on est là, on kiffe, on s'amuse tous ensemble, alors qu'en fait, on a tous des caractères différents, tu vois. Autant même, tu vois, même certains qui viennent de la même culture, tu vois, je sais pas, moi, tu vas prendre, je sais pas, moi, Smilo et Yazid, qui sont, tu vois, d'origine maghrébine, qui ont grandi avec la culture maghrébine, et ben, même eux deux, les caractères sont totalement différents, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se retrouve ici, on s'entend comme une famille, comme des frères, tu vois. Et voilà, moi c'est ce que j'aime en fait, tu vois. Vaut mieux être le dernier des plus forts que le plus fort des derniers. Parce que tu auras toujours quelque chose à rattraper. Si t'es le plus fort des plus nuls, ça sert à rien. Voilà. Vise toujours plus haut et tu seras au plus haut. Au plus haut de tes capacités. Je marche beaucoup avec la compétition. Que ce soit dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie en général. Ou dans la compétition, si on n'a pas d'objectif, ben, on fait rien. Donc ouais, si on me défie, bon, écoute, si je peux relever le défi, je le fais direct. Si je peux pas le relever, je travaille pour le faire. Enfin dans la voiture et tout, Johan, tout ça je connaissais, mais genre toi je te connaissais pas. Baki je le connaissais pas en vrai non plus. Et genre en fait, ce qui s'est créé, ouais ça m'a touché en fait. Je sais pas comment, ouais, pendant le. Je sais pas, sans parler, j'ai. Et on a réussi à créer des liens juste avec du sport en fait, c'est ça qui m'a... Juste en partageant des émotions que vous m'avez fait, que vous m'avez transmis avant en fait, c'est ça que j'ai trouvé ça dingue. Toutes les choses que j'ai reçues, bah, je pense que j'ai réussi à vous les transmettre et ça m'a... Enfin, j'ai trop apprécié en fait. C'est ça, ouais, donc ouais, émotion. Puis partage aussi. En vrai, c'était... Au début, j'étais perdu, hein. Tout le monde, comme ça, on était une dizaine. Je sais pas, je déteste, moi, je déteste les groupes.
Je trouve que dès qu'on est dans un groupe, toutes les personnes que j'adore en individuel, bah, ils changent en fait, ils changent leur caractère, ils te dénigrent, ils te gênent pas, les... j'aime pas ça. Et là, en fait, je sais pas, il y avait une fusion, je sais pas, c'était super. Puis voir ouais, Nico, ouais, quand je gagne et tout, le voir sourire comme ça, ça m'a... C'est ça que je kiffe. C'est pour ça que je lui ai dit, bah, c'est pour toi et c'est pour toi. Je disais toujours ça, je disais toujours, quand quelqu'un me disait bien joué, je disais, enfin, bah, les personnes proches hein, autour de moi, je disais, c'est pour toi, pas les gens que je connaissais pas. Mais Nico, je pense à Nico, à Ashura, parce que Ashura, pareil, il m'a motivé depuis. Je regarde toujours son set, Silver Set depuis tout le temps. Bah, toi, Baki, je leur dis tout, quoi, c'est pour vous. Genre, je passe pas pour moi, c'est pour vous. Enfin, je sais pas comment. C'est cool. Voilà.